Je suis artiste peintre, passionné d'automobile, surtout des années 60. Ce que j'aime dans les voitures des années 60, c'est l'énormité de ces voitures par rapport à celles qu'on avait, nous, en France. Donc nous, on roulait en 4 chevaux ou en 2 chevaux, alors qu'eux, ils roulaient en Cadillac. Les voitures sont des serres de cinéma, puisqu'on peut voir sur certaines de mes toiles des visages apparaître d'artistes célèbres, comme Marilyn Monroe, Greta Garbo ou Marlene Dietrich. Voir James Dean, Elvis Presley, ou même Bourvil dans le film de Cornu avec sa fameuse deux chevaux qui forcément marche vraiment bien. C'est une mise en scène, donc il faut retrouver la voiture du personnage et puis inscrire le portrait à côté de la voiture. Je suis un artiste perfectionniste et j'irais même très pointu. Je ne tolère pas avoir une différence de volume ou même dans les détails. Lorsque j'ai fait cette 403, j'ai d'abord peint le paysage, c'est-à-dire la maison verte de Corset. Et lorsque j'ai inséré ma voiture dans le tableau, je me suis rendu compte que l'échelle était trop petite. Et donc ça faisait voiture miniature, donc je l'ai recommencé carrément. J'ai tout refait, sauf la maison verte. La Triumph était ma voiture préférée, et c'était donc la voiture de ma jeunesse. Et comme j'ai jamais pu me l'offrir, je me suis dit je vais la peindre. Et sur cette voiture, pour qu'elle m'appartienne à part entière, j'irais, la plaque d'immatriculation, en fait, c'est ma date de naissance et mes initiales. Et voilà, c'est ma voiture maintenant.